Dans cette vidéo, nous allons lire le chapitre numéro 22 que nous n'avions pas lu encore, on attendait avec les abonnés. Et aujourd'hui, on va le lire ensemble avec les viewers, avec vous. C'est parti. Donc là, la team W et la team Z est à égalité 4-4. Septième match opposant l'équipe W à l'équipe Z. Résultat final 4-4. Wow! Chapitre 22, jusqu'à ce que mon sang arrête de bouillir. Tiens. Et grâce à ça, on survit jusqu'à demain. Shigiri, Isagi, tu as été incroyable. Quelle vitesse. Tes jambes sont bien sorties. Isagi, c'est de ta faute. Quand je t'ai vu, je bouillais de rage. Et avant que je ne me rende compte, j'étais en train de courir. Hein? Jusque-là, je me limitais. J'avais trop peur de me libérer de ces chaînes. Et je ne pensais pas avoir besoin de le faire. Mais j'avais tort. Je ne suis plus le mec hautain que j'étais avant de ma blessure. Parce que maintenant, je sais que ça fait d'avoir peur de ne plus pouvoir jouer. Et pourtant, mon sang boue encore. Je ne sais pas combien de temps mon genou tiendra, mais je veux croire que ce nouveau moi pourra faire quelque chose. Merci, Kisayi. Je courais jusqu'à que mes jambes me lâchent, jusqu'à que mon sang arrête de bouillir. Ok, alors combattons côte à côte. Côte à côte, ne te fais pas de fausses idées, idiot. C'est moi qui deviendra le meilleur attaquant du monde. Ah, mais... oui, c'est ça. Ce serait moi le meilleur. Ra! Oh, princesse, notre messie, notre sauveur. C'est une sacrée arme que tu nous avais cachée. Un tel égoïsme est indigne d'une princesse. Vos gueules, si j'avais rien fait, on aurait perdu, non? Ah, Shigiri, ce match nul change la donne, tu sais. On était à un cheveu de perdre. Ce qui est sûr, c'est que je ne pardonnerai pas Kuon. Va te faire enculer, Kuon, espèce de sous-être. On avait conclu un accord, enfoiré, tu devais les faire perdre. Tu nous avais caché cette info sur Shigiri. Non, je l'ignorais vraiment. On va te faire abandonner le foot. C'est ce que dit mon grand frère. Arrête ça, hein. Tu veux que je te bute? Ça suffit, pas touche à mon équipe. Quoi? Kuon se tire. Se lâche. Voilà à qui conclut les 7e et 8e match du 5e bâtiment. Match 8, Team V mène 5-2 contre la Team X. Match 7, égalité Team W, Team Z 4-4. Le prochain match sera un tout ou rien. Vestiaire de l'équipe Z. Je sais même pas comment on a fait pour arracher l'égalisation. J'ai vraiment cru qu'on était fini, qu'on a perdu la boule. C'était un 10 contre 1, 12. Désolé, Raichi, je pensais juste qu'on n'avait pas d'autre choix. T'as pas non plus été un choix au final. Isagi, t'es pas le genre de joueur qui peut faire basculer le match à lui tout seul. Si tu nous refais ça, je te crève. Allons manger, Isagi, je meurs de faim. Nos derniers adversaires sont enlevés. C'est la seule équipe encore invaincue. Rien à foutre de ce qu'ils font, on va les battre et c'est tout. On n'y arrivera jamais si... on n'est que 10. Ah ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait, ce Kuon? Hein? Cet enculé jouera plus jamais avec nous. Attendez, taisez-vous, chute. Regardez par ici. Bah voyons, Kuon, réfectoire du 5e bâtiment. Alors vous avez déjà pratiquement un pied dans la deuxième sélection des V. Donc si vous continuez sur votre lancée, vous gagnerez aussi votre prochain match. Si je vous transmets les infos que j'ai sur l'équipe Z, ils auront peu de chances de marquer le moindre but. Et moi, de mon côté, je resterai le meilleur buteur de l'équipe, donc je réussirai aussi. Une fois qu'on aurait tous gagné, je vous assure que vous aurez un avantage pour la deuxième sélection. Je pourrai tacler d'autres joueurs, vous aider à marquer, vous pourrez compter sur moi. Ce type, il prévoit de nous trahir à nouveau, non? Je vais le faire, du calme. Mais si on doit encore jouer à 10, est-ce qu'on a la moindre chance de gagner? Pour le moment, je vous demanderai juste de penser à mon offre. Si on coopère dans la deuxième sélection, on est... assuré d'être MVP. Alors ça vous dit, on fait affaire? Non merci, trop naze. D'un ennui. Quel mérite y a-t-il à suivre un plan que tu as conçu? Ce serait immérité. Ça veut donc dire que c'est à nous de discuter notre propre méthodologie d'une manière proactive. Équipe V, Zantensu, Tsuguru, Tsurugi, Zonzetsu. Classement Blue Lock 223e. Score 5 goals. Alors, j'ai utilisé les bons mots. Arrête de te faire du mal, Zantetsu. Arrête d'essayer de paraître plus malin que tu ne l'es, idiot. Non, ça voulait rien dire.
Mais tu sais quoi, il y a deux types de personnes que je déteste dans la vie, les losers et les lâches. Et toi, t'es les deux. Réo V. Équipe V, Réo Mikage. Classement Blue Lock 222e. Score 6 goals. J'en ai marre, Réo, ça me fait fatiguer ces discussions. J'ai plus la force de mâcher. Partons, prends-moi sur ton dos. Seishiro Nagi. Classement Blue Lock 221e, premier du 5e bâtiment. 7 goals, meilleur buteur de l'équipe V. Nagi, on est venu ici parce que tu voulais manger un morceau. Hop. Désolé, mais là, c'est trop dur. Ce serait du gâchis de laisser un steak ici, non? Ah, mais ce serait grossier de manger les restes d'un autre. Que faire? Attendez, j'ai encore des ch choses à. Réo, pourquoi il est aussi désespéré celui-ci? Parce qu'il veut gagner. Délicieux. Ceux qui restent incapables de gagner, et ce malgré tous leurs efforts, ne sont pas que des faibles qui ne valent pas le coup quand on s'embête pour eux. Si j'étais toi, j'abandonnerais. Et Réo, ça sert à quoi de jouer au foot si c'est pour perdre? Et attendez, qu'est-ce que tu veux? Je vous interdis de dénigrer le foot. Et vous êtes. Moi, c'est Yoichi Sagi. Voilà l'équipe Z. Et nous allons vous faire sombrer de votre piédestal. Piédestal. Fin du chapitre.